Le Paris Saint-Germain se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, 3 ans après qu'il s'était éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions face à Manchester City. Bonsoir à tous et bienvenue sur Paris Central. Aujourd'hui, il est temps de faire le débrief de ces 8e de finale retour entre la Real Sociedad et le Paris Saint-Germain. Victoire 2-1 des Rouges et Bleus face à la Real Sociedad, 4-1 au cumul des deux matchs. Pour continuer avec moi autour de ma table, 4 chroniqueurs présents qui étaient là pour l'avant-match. On commence avec le Charles-Xavier de notre Paris Central. Comment ça va, Gâteau ? Ça va, merci. On a révélé ton potentiel maintenant t'es passé présentateur. Très heureux d'être présent, très heureux d'être qualifié en quart de finale de Champions League. Le patron du studio, comment ça va Jean-Marc ? Ça va bien, soulagé, content, heureux. Et puis bon, on parlera d'Mbappé, donc voilà. Je triomphe un tout petit peu, mais bon. Un cœur rouge et bleu avec une petite partie Nerazzurri, comment ça va Rekova ? Ça va, impeccable, très content d'être qualifié. Et j'ai vraiment hâte de voir qui on va tomber en quart de finale. C'est quand le tirage ? Bientôt. Oh, ça doit être la semaine prochaine, potentiellement. Il y a toute la semaine prochaine, ouais. Le Durag accompagne ses locks, comment ça va Barry ? Parfait, 2-0, victoire. 2-1. 2-1. 2-0, parce qu'on l'a... Oui, en vrai, il y a 2-0. Il y a 2-0, victoire, 4-0, cumul. Non, très content. Vous êtes présent en nombre pour ce live et pour ce débrief de la Ligue des Champions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, tout simplement. On est 193 en live, merci d'être présent en nombre pour ce débrief. Il est temps de commencer. Je commence avec toi, Rekoba, par rapport à Luis Enrique. Est-ce que, selon toi, il a remporté la bataille tactique face à Alguacil ? Bah ouais, je pense qu'on l'a tous vu. Je sais qu'il y en a beaucoup, dont sur le plateau d'ailleurs de Canal, qui, forcément, avec la performance de Kylian, vont remettre ça sur Enrique, comme quoi il avait tort de le remplacer à la mi-temps, etc., etc. Mais ce soir, les deux ont été très bons. Mbappé a été au rendez-vous et Luis Enrique, pour moi, a gagné la bataille tactique. À partir du moment où les dangers principaux, Merino et Kubo, ont été muselés, je trouve que on a fait un bon match, on a été serein, on n'a pas concédé de grosses occasions, on a relâché un petit peu à la fin du match, donc on prend un but, mais globalement je trouve qu'on a maîtrisé les débats, on a réussi à bloquer leur point fort. Nuno Mendes a été très intéressant aussi, justement un petit peu plus haut, même si oui par moment il était un petit peu dépassé parce que forcément il revient, mais en tout cas tactiquement le fait d'être plus haut ça les a gênés et on a pu être aussi bien plus proche à la récupération du ballon et pour le contre-pressing, donc ils ont eu du mal à ressortir. Et je pense que tactiquement on a été bon. Le choix aussi de mettre Mbappé à gauche et d'avoir Dembélé un petit peu dans cet axe, même si lui a fait un mauvais match individuellement, mais collectivement en tout cas ça nous a aidé. Donc je trouve que on l'a abordé sereinement, le match s'est bien passé et on peut dire que bravo à Luis Enrique. Gâteau, selon toi, quelle a été la clé tactique de ce match ? Justement le placement de Dembélé, même si lui n'a pas fait un bon match tant que ça individuellement. Ça a mis du danger, un danger permanent au milieu de terrain. Parce qu'il était faux neuf, il descendait. Ça permettait aussi à Mbappé de prendre le couloir, suppléé par Nuno Mendes. Vitinha en 6 dans la récupération, ou surtout dans la projection, dans la première relance. Franchement, ça a fait du bien. La relation Hakimi-Barcola n'a pas forcément bien fonctionné. Mais comme Dembélé était au cœur du jeu, ça a annihilé les différentes propositions... Et passe avec Zoumi Bendy Pau Yarzabal qui était devant lui, et Mikel Merino. Oui. Donc je pense que le placement de Dembélé était intelligent et peut-être de pourquoi pas le proposer à l'avenir. Ça, c'était surprenant, mais ça a marché. Ouais. Jean-Marc, je reviens avec toi par rapport notamment à Kylian Mbappé, décisif ce soir à hauteur d'un doublé. Qu'est-ce que toi tu pourrais dire par rapport à son match ? C'est Mbappé quoi. Je crois que c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions, là, en attendant les autres matchs. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont... égal à lui-même. On comprend toujours pas pourquoi l'autre l'a sorti. Je pense qu'on aurait gagné s'il n'avait pas sorti. Et à part ça, je reviens sur ce que vous dites. Moi, je suis pas... Je voulais dire encore que je suis quand même très critique avec Luis Enrique souvent. Moi, je suis pas absolument fan de Dembélé dans l'axe. Je trouve que même si ça marche sur ce match-là, lui, vous l'avez souligné, il fait vraiment pas un bon match, il est perdu à ce poste-là et c'est vraiment du gâchis de l'avoir à un poste où il a pas l'habitude. Barcola à droite, c'est pas non plus, il avait pas de repère. Je comprends pas pourquoi ce coach change toujours tout. Alors là, on va dire que c'est un génie parce qu'il a mis Mbappé à gauche, mais c'est lui qui l'avait mis dans l'axe. Ah oui, tiens, Mbappé, il est meilleur à gauche. Ça fait jamais que 8 ans qu'on le sait. Merci, gros, c'est sympa. La démonstration par l'absurde. Donc moi, je suis pas bouleversifié tactiquement. Je trouve que la défense était bien en place. Le milieu,
C'était bien d'avoir mis Vitinha en 6. Ruiz était toujours aussi mauvais. Pareil, pourquoi il met pas, je comprends pas pourquoi il met pas Ugarte. Je pense que s'il avait fait une équipe digne de ce nom, on aurait gagné 4 ou 5-0 parce qu'en face, c'était vraiment pas bon. Donc voilà, je suis pas bouleversifié par la tactique de Luis Enrique, même si on a gagné, il y a rien à dire, hein, mais voilà. Barry, si on continue, si on poursuit dans l'aspect technico-tactique, toi, qu'est-ce qui t'a, dans le contenu, satisfait? Est-ce que ce serait les ressorties de balles, une certaine maîtrise au milieu de terrain, ou le placement de Dembélé en 10, ou cette défense avec des centrales à gaucher? Bah moi, j'ai bien aimé les ressorties de balles. J'ai bien aimé le travail d'un Vitinha, notamment défensivement. Je suis pas forcément très bas sur le terrain, pardon. J'ai moins aimé le match d'un Dembélé. Moi, je suis plutôt pour d'avoir un Dembélé sur les ailes. Je trouve qu'au milieu de terrain, comment l'expliquer? Bah, en fait, au vu du jeu à risque de Dembélé, avoir un joueur qui perd autant de ballons dans l'axe, exactement, bah c'est donner des armes à l'adversaire. Maintenant, comme l'a dit Jean-Marc, et de toute façon on était tous unanimes là-dessus, l'adversaire était mauvais, mais au-delà de ça, ils étaient surtout mauvais parce qu'ils avaient en face à eux un Paris Saint-Germain qui était grandiose. Voilà, il y avait clairement une classe d'écart entre les deux. Et derrière, avec toutes les pertes de balles qu'on avait, voilà, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Mais sinon, tactiquement, ce que j'ai trouvé intéressant, bah, il y a eu le Kylian à gauche, Kylian qui a été clinique. Comme quoi, moi, je suis pas forcément d'accord avec Jean-Marc. Moi, c'est une de mes théories. Je pense que Kylian, c'est un genre de joueur qui, lorsqu'il est dans le dur, faut apprendre à piquer. Faut le piquer. Comme Tourelle, c'était autre chose. C'était par rapport plutôt à un retard. Tu vois, c'est vraiment football. Zidane aussi avait cette faculté à piquer ses joueurs, notamment Cristiano Ronaldo, lorsqu'ils n'étaient pas forcément efficients. Mourinho est devenu un maître en la matière. Avec donc Benzema. Je pense que des joueurs à ego comme ça, il faut savoir les piquer pour pouvoir pour tirer le meilleur d'eux. Et au final, on l'avait aujourd'hui, il le réaxe à gauche. Pour moi, c'était encore une fois l'élément clé. Voilà, footballistiquement parlant, moi, j'ai pas grand-chose à dire sur Kylian. On prépare pas la saison prochaine, c'est fini, ça. Attention, ça a été dit dans les médias. Ce qui a été dit dans les médias, non, c'est lui qui l'a dit, il l'a répété. C'est que le coach, lui, se sert de la Ligue 1. Il a dit qu'il a une avance assez conséquente en Ligue 1 pour pouvoir préparer la saison prochaine et pour pouvoir préparer aussi son collectif qui vient d'arriver avec 11 nouveaux joueurs à la saison prochaine sans Kylian Mbappé. Tout en conservant Kylian Mbappé a quand même joué 45 minutes contre Monaco, il n'a pas forcément été efficient. Si Kylian Mbappé avait été efficient sur tout le match, je ne vois pas pourquoi le coach serait passé. Pour moi, voilà, Kylian, lorsqu'il est bon, il n'y a aucune raison de s'en passer. Dans les matchs à élimination directe, comme la Ligue des Champions, pourquoi se passer de ton meilleur joueur? Et puis voilà, mais en tout cas, oui, tactiquement, j'ai trouvé le Kylian, j'ai trouvé Vitinha, Ruiz, j'ai complètement la rue. Beraldo, on n'en a pas parlé, oui, on en parlera plus tard. Très bon. Beraldo qui a été grandiose. Puis après, le Donnarumma qui est exceptionnel. Ricoba, je poursuis avec toi par rapport à Kylian Mbappé aujourd'hui, ce soir, qui a été replacé sur son côté gauche. Est-ce que, selon toi, dans les prochains matchs qui vont arriver, est-ce que Kylian Mbappé doit continuer à jouer sur l'aile? Bah oui, parce que moi, j'ai toujours milité pour Kylian à gauche, c'est son poste. Voilà. Après, Ronaldo, c'est pareil, il défendait pas trop à gauche et ils ont trouvé comment jouer avec Ronaldo à gauche. Donc pour moi, ton meilleur joueur, tu dois le faire jouer là où il est le meilleur et c'est à gauche. Et personnellement, c'est là où c'est le pourquoi aussi je voulais Gonçalo Ramos titulaire dans ce match-là, c'est que justement il nous a mis Ousmane Dembélé dans ce rôle-là pour se proposer, pour ressortir les ballons, pour techniquement être présent et justement aussi bloquer ces lignes de passe entre les deux axios et Zubimendi. Et Gonçalo Ramos en 9 aurait pu le faire aussi. Et techniquement, ouais, il sait ressortir les ballons, il a été formé 10, il presse beaucoup et t'aurais pu très bien garder Dembélé à droite. Mettre Ramos en pointe et si tu voulais absolument mettre Mbappé, tu le mettais à gauche et puis tu mettais Barcola sur le banc. Donc je comprends pas pourquoi tu t'as mis Dembélé contre nature un peu dans ce milieu là. Au final, ça lui a pas servi à lui, mais bon, après collectivement ça a servi, donc voilà. Mais pour revenir sur Mbappé, oui, moi je le préfère à gauche dans tous les cas, c'est là où il est le meilleur quand il a de l'espace et qu'il peut venir rentrer. À chaque fois, ça a fait mouche, surtout face à Marie Traoré qui a été nul, qui a été mauvais. Ouais. Donc voilà. Mais après, oui, c'est vrai que moi je rejoins Barry. À partir du moment où il a été mauvais face à Monaco et même avant, bah t'as le droit de le sortir. Pas à la mi-temps, les mecs. Pas à la mi-temps. C'est un joueur comme un autre. Les joueurs ne sortent jamais. Mais Barcola l'a fait. Barcola l'a fait. Aujourd'hui, il l'a fait. À la Coupe du Monde, c'est vrai. C'est faux. Gonçalo Ramos l'a fait. Randal Kolo Muani l'a fait.
y a qui d'autre encore qui l'a fait? Gonçalo Ramos qui était pas bon, il y a Lee Kang-in qui l'a fait aussi. Giro la Coupe du Monde. Il y a Barcola qui l'a fait et ils sont pas en tribune jusqu'à preuve du contraire. Non, ça c'est un petit pic. Non mais blague à part, ça peut arriver. Je pense qu'aujourd'hui ouais, le coach il y a l'attitude aussi. Par contre, là où je te suis, c'est que si Kylian avait été grandiose et que tu le sors à la mi-temps, j'aurais pas trouvé ça logique. Ouais. Là Kylian depuis le retour en janvier, il est toujours dans les stats aussi proactif, mais c'est vrai que sur le terrain, il était moins proactif. Donc en le sortant, je pense qu'il y a cette volonté aussi de le piquer. Si tu me dis vraiment qu'il y a un exceptionnel, il n'y a aucune raison. Par contre, le Kylian à gauche coïncide aussi avec le retour d'un joueur de qui est à gauche. Mendes, avec le retour de Nuno Mendes. Donc ça confirme aussi ma théorie. Pour qu'un Kylian soit encore plus efficient, il a besoin aussi d'un latéral à gauche. Et c'est aussi, ça peut expliquer aussi pourquoi il a réaction. Il a le droit de sortir. Bah ouais. Non, attends. C'est l'entraîneur. Non, mais attends, Jean-Marc. Nous, on est supporters, pas de souci. Il est coach, il a les pleins pouvoirs. T'es pas bon, tu sors. Mais arrêtez de dire ça, tu parles de Ramos. T'es pas bon, tu sors. T'es pas bon, tu sors. C'est lui qui prend la décision. Pendant des années au PSG, les gars, pendant des années au PSG, on s'est plaint des réputés des joueurs. Les joueurs avaient tout le pouvoir. Le joueur ne peut rien faire, etc. Là, le mec, il est pas bon. Il sort. Quand c'est Kolo Muani, c'est pas grave. Quand c'est Ramos, c'est pas grave. Quand c'est Lee Kang-in, c'est pas grave. Mais c'est normal, etc. Le gars, il est pas bon, il sort. Et en plus, l'attitude qu'il a derrière, avec la maman, avec le téléphone. Il savait qu'il allait avoir. Non, mais il y a l'attitude sur le terrain. Qu'est-ce qu'il a fait sur le terrain? Il est nonchalant, il crie, il est avec l'arbitre. Et sur le terrain, l'exigence qu'on a avec Mbappé, elle est logique par rapport à son niveau et par rapport à son potentiel. Et donc on ne fait pas jouer, c'est logique. Non, c'est pas ce que j'ai dit. On en a fait 0-0, je vous rappelle. C'est une petite pire. Et en plus de ça, malheureusement, non seulement son match il n'est pas bon, et collectivement, une fois qu'il est sorti, on s'en est un peu mieux sorti. Et piqûre de rappel, c'est pas le match de ce soir. Ils se sont expliqués, ce soir il est bon. C'est pas le match de ce soir. Ce soir, il a été très bon. Moi, je militais pas, mais si ça avait été moi, il n'aurait plus jamais porté le maillot du Paris Saint-Germain. Mais ce soir, il a été bon, je le dis. Par contre, Jean-Marc, c'est que s'il sortait par exemple ce soir à la mi-temps, j'aurais trouvé ça normal. Oui, là, c'est normal. J'aurais trouvé ça complètement normal. Bien sûr. Mais pour revenir un petit peu sur la défense centrale, tu parlais de côté gauche. Gâteau, par rapport notamment à la défense centrale qui était alignée avec deux joueurs gauchers, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Qu'est-ce qu'on peut dire même sur la performance de Beraldo? Écoute, vendredi dernier, j'avais alerté que deux joueurs gauchers, ça pouvait être dangereux. Aujourd'hui, ça s'est très bien passé parce que aussi devant, Vitinha venait aider les centraux avec une dissolution proche. Ça permettait aussi aux latéraux de partir. De toute façon, les ailiers n'étaient pas forcément très pressants. Et ça s'est super bien passé. Beraldo, il a bien fait. Bon, il a contraint un but. Ça, c'est pas très grave. Franchement, on était déjà bien. Ses interventions, elles étaient bonnes. Sa lecture, elle était bonne. Ses relances étaient bonnes. Et voilà. Il y a eu beaucoup de tweets contre lui parce que il était en difficulté au match aller. Au match aller, il était catastrophique. Mais là, on le replace à son poste avec un peu plus de confiance. Et ça peut même être un concurrent pour la suite de la saison. Ah, mais moi, je pense qu'il le fait. Pour moi, il y a trois choses. Un, tu as des mecs qui savent relancer derrière. Nuno, Beraldo. Lucas Hernandez. Deux, tu as des joueurs aussi qui sont disponibles. Nuno Mendes, on le voyait très souvent dispo. Vitinha, Ruiz qui descendait aussi. À partir du moment où tu as des mecs dispo et des mecs qui savent relancer et qui prennent pas la pression, quoi que ce soit, parce qu'ils étaient à la hauteur du rendez-vous, que ce soit Hernandez, Beraldo, Nuno, Hakimi, même si techniquement Hakimi par moment c'était un peu. Voilà. Et puis aussi, quand même, la Real Sociedad qui physiquement, on les a sentis émoussés. C'est la ramasse. Ils ont jamais fait la première mi-temps qu'ils ont fait face à nous. Là, physiquement, tu vois qu'ils sont. Et puis ça décharge aussi Donnarumma de toutes ses relances. On sait que c'est sa faiblesse, même s'il a vraiment progressé là-dessus. Mais ça lui permet d'avoir des vrais bons relanceurs. Et puis, quand tu as des bons relanceurs comme ça de derrière, et que tu as des mecs ultra rapides comme Mbappé, il peut déjà commencer à partir. Bien sûr. Ça étire les différents blocs. D'ailleurs, il a été sans grand jeu. Ouais, Jean-Marc, pour poursuivre, Jean-Marc, avec toi par rapport à Nuno Mendes, qui était titulaire, une petite surprise de la part de Luis Enrique aujourd'hui. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir Nuno Mendes titulaire en puissance sur les prochains matchs? Moi, je pense que oui, s'il le met là, il va continuer à le mettre. Mais là, il a eu du mal au début, ce qui est à peu près normal. Mais est-ce que c'était le moment de le relancer sur un match de Ligue des Champions? Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Il n'a pas coûté de but, mais il aurait pu.
Franchement, je pense que les 5 ou 6 premiers ballons qu'il touche, il les perd, et il les perd de manière dangereuse. Non, mais je pense qu'il n'avait pas trop le choix, en vrai. Ouais. Je pense que Martinez, ils étaient juste. Mais moi, donc Nuno Mendes, je pense que oui. Et puis, je réponds à une question que tu ne me poses pas. je pense qu'il a derrière la tête. Je pense qu'il aime beaucoup Beraldo et qu'il a derrière la tête de le titulariser, y compris au détriment de Marquinhos. C'est possible. Ah ouais, mais pour l'instant, j'ai l'impression, je peux me tromper. Il ne va pas forcément passer à 3 avec des deux pistes. Ah non, il ne va pas passer à 3. Moi, j'ai l'impression qu'il préfère, quitte à choisir un Brésilien, il préfère celui-là. Alors après, il peut l'associer à Marquinhos. Mais si Nuno Mendes revient, il se prive de Lucas Hernandez qui fait une saison. On n'en parle pas beaucoup. Dans les grands matchs, il fait une saison extraordinaire. Je comprends pas qu'il s'en soit passé au match aller, mais bon, on a gagné. Donc voilà, je le soupçonne. Mais c'est vrai qu'il est très très fort, Beraldo. Oui, il a fait un excellent match. Techniquement, c'est très très fort. Juste sur les cas de Nuno Mendes, il y a quelque chose qu'on dit pas aussi, c'est le montant en puissance. Durant toute cette mi-temps. Oui, c'est exactement. Vrai. Ouais. On est 517 en live, n'hésitez pas à liker pour nous donner de la force et pour pouvoir continuer à nous permettre de nous développer et développer cette émission. On est à 120 likes, nous sommes 509. N'hésitez pas à aller viser au moins les 300-350 likes d'ici la fin de l'émission. Dernière question avant de passer au top et flop. Barry, qu'est-ce qu'on peut penser aujourd'hui du milieu de terrain sur cette première mi-temps notamment. Ah, il y a un jingle. Ah, c'est le jingle abonnement, je vais le dire. Ok. Bah c'est bon, on est de retour. Barry, comme ce que je disais avant qu'on lance le jingle, qu'est-ce qu'on pourrait penser pour le coup du milieu de terrain sur ce match-là? Est-ce que pour le coup, il a répondu aux attentes et a réussi à museler celui de la Real Sociedad qui était, selon certains, qui devait être craint? Bah pour moi, il y en a qu'un que j'arrive pas à comprendre. Fabien. Je pense qu'on en a parlé, Fabien Ruiz. Moi, comme vous savez, j'ai souvent défendu lorsqu'il était bon, lorsque je trouvais que les gens étaient trop durs. Maintenant, quand les gens disent la vérité, je ne vais pas non plus dire « Ah mais non, Fabien, il a été éclaté aujourd'hui. » Il ratait tout, toutes les passes n'étaient pas bonnes. La seule chose que je mets à son crédit, c'est peut-être son placement défensif, qui est des fois intéressant. Mais voilà, je trouve qu'il ne prend pas assez d'initiatives, il ne se projette pas assez vers l'avant, alors que c'était une de ses qualités au Napoli, cette capacité à se projeter devant. Il ne le fait pas, il ne porte pas le ballon. Lorsqu'il a le ballon, j'ai l'impression que le ballon lui brûle les pieds. Il veut très vite s'en débarrasser. Donc, toutes ces choses-là, c'est assez néfaste. Je ne comprends pas pourquoi Garten n'a pas été titularisé. Même si, au final, je peux l'entendre dans cette volonté du coach d'avoir la possession du ballon, d'avoir cette conservation de balle, de se dire que, bon, techniquement, balle au pied, Fabien Ruiz est meilleur, donc je vais mettre Fabien Ruiz. Mais de toute façon, on l'a vu, hein, le coach avec l'Espagne n'était pas fan de la Fabien Ruiz. Je pense qu'il le fait jouer plus par dépit parce qu'il n'a pas d'autre profil que plutôt par amour du joueur. Sinon, le reste, Vitinha, je l'ai trouvé très bon, Vitinha. Je l'ai trouvé très bon. Warren, il alterne entre le bon et le moins bon. Il était discret. C'est pas aujourd'hui, hein. Franchement, ouais. C'est pas qu'aujourd'hui qu'il est discret. Ouais, depuis janvier. Depuis qu'il était passé un peu à droite. Ouais. Mmh. Même avant la CAN, parce qu'il n'était pas encore à droite, je trouvais que depuis janvier, voilà, il était pas à son niveau, à son top niveau qu'il a pu avoir en début de saison. Il a eu sa blessure, en fait. Voilà. Non, pas forcément, non, parce que derrière, il était dans le monde. Mais dans le monde, moi, j'ai plutôt l'impression que, voilà, c'est ce genre de joueur-là qui, lui, ne monte pas en puissance, mais donc quand il est en arrêt par rapport à ses vacances, il doit revenir, etc. Ce qui peut arriver à plein de joueurs au final. Hein. Ça arrive à plein de joueurs. Par exemple, Bernardo Silva, lui aussi, ça lui est arrivé lorsqu'il était à Monaco, si je ne dis pas de bêtises. Il a eu un petit plat et après, il est revenu. Au final, il fait pas un mauvais match dans l'ensemble. Vitinha, je l'ai trouvé très bon en défense. Au final, quand on regarde bien le match de Dembélé, on a parlé de faux numéro 9. Pour moi, je le vois plus en numéro 10. Hein. Ouais. Il était plus en numéro 10, voire en 8 la majeure partie du match. Donc, je le considère comme un milieu aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de pertes de balles. Après, ça reste Dembélé. Lorsqu'il touche le ballon, tu sais qu'il va se passer quelque chose, que ce soit bon ou mauvais. Donc, ça reste quand même une menace constante, comme Kylian Mbappé. Donc, en fait, au final, ce milieu de terrain-là, moi, je l'avais dit lors de l'avant-match, même bien avant, lorsqu'il y avait le tirage. J'en ai parlé sur Twitter, etc. Je trouvais qu'on en faisait beaucoup avec le milieu de la Real Sociedad, qui est intéressant, hein, je ne dis pas qu'il est mauvais. Mais je trouvais qu'on en faisait beaucoup à le mettre en corrélation avec d'autres milieux et à dévaloriser ce que faisait notre milieu de terrain. Et au final, les deux matchs m'ont donné raison. Au premier match, ils ont 15 minutes où ils te mettent le bouillon, allez, 20 minutes à tout péter. Et au final, pas grand-chose. Là, ils ont
10 minutes où ils rentrent bien dans le match, puis derrière ils prennent le bouillon et ensuite on leur laisse le ballon et sur le terrain ne fait rien. Juste avant de passer au top et flop, merci déjà à Tonton qui réagit un petit peu en commentaire avec vous le chat, parce que c'est pas facile de vous répondre lorsqu'on est en plateau, les conditions sont un peu plus différentes, mais même si dans l'ensemble vous avez trouvé Warren Zaïre-Emery assez bon dans le match et vous avez été assez content de sa performance, maintenant il est temps dans le chat et dans le plateau de passer au top et flop. N'hésitez pas à dire qui sont pour vous les tops de ce match et les flops de cette rencontre. Kylian Mbappé a été à juste titre élu homme du match de la rencontre après le match aller, match retour, 2 sur 2 pour le joueur français. Je commence avec toi Gato, qui sont tes tops uniquement de ce match? Top, je mets Kylian Mbappé, voilà, moi je... Non, il faut... Non, on est honnête. On peut pas me... Non, mais là, il peut pas venir me dire que je suis pas honnête. Il devrait pas porter les couleurs de ce club. Non, selon moi, il devrait pas porter les couleurs du Paris Saint-Germain. Mmh. Il faut dire, on juge son match. On juge pas son attitude sur une saison ou sur un passage. Ou sur, voilà. Son match est exceptionnel. Il a pris la profondeur. C'était un danger. Techniquement, c'était juste, même s'il y a 2-3 petits trucs, mais bon, ça va. Franchement, c'était propre. Et on a vu quand même que... il a essayé d'emmener quelque chose. En tout cas, il a porté énormément de dangers. Et non, c'est exceptionnel. Après, je vais mettre Donnarumma. Donnarumma, franchement, tu vois, c'était une muraille. Et puis, il a pris un but, mais c'est même pas de sa faute. Mais le nombre d'arrêts qu'il fait, il est, il est gracieux ces temps-ci. Oui. Voilà, franchement. Et j'ai envie de mettre quand même... j'ai envie de mettre Nuno Mendes quand même. Parce que même si son match n'était pas exceptionnel, vu le passif, vu ce qu'il fait, tu vois, c'est qu'il revient, il n'a jamais été titulaire pour le moment, et il revient, il est fort. Il est fort, on voit que grâce à lui, c'est lui qui a aussi permis à Kylian Mbappé d'avoir ce niveau-là. Kubo, on ne l'a pas vu, Kubo. Parce qu'il a éteint Kubo, même si au début c'était un peu plus difficile, mais il est monté, voilà, et puis après, bon. Une fois sorti, on a vu que c'était, on a galéré une fois qu'il est sorti. Ouais, ça prouve quand même quelque chose. Bien sûr. Pour toi, Jean-Marc, qui sont tes tops dans la rencontre? Mbappé, évidemment, en premier. Je suis assez d'accord avec toi. Donc, Donnarumma, je mettrais en deux. Et je mettrais bien, même s'il y en a d'autres qui n'ont pas démérité, je mettrais bien Beraldo. Je trouve qu'il est vraiment intéressant. Et parce que je trouve que, on vous l'avait dit, hein, mais... Ce qui est assez nouveau dans la manière dont l'équipe a joué ce soir, c'est les remontées de balles. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le PSG faire des remontées de balles aussi... waouh, quoi. Ouais. Le deuxième but, c'est extraordinaire. Ouais, la remontée de balles sur le deuxième but, qui arrive à un but, c'est même plus... Elle est exceptionnelle. Je ne sais pas combien de joueurs touchent la balle, mais c'est magnifique. Donc voilà. Barry? Alors, moi, homme du match, Kylian Mbappé, donc je le mets en top. Et puis même, je trouve qu'il a fait un match exceptionnel à gauche. Le deuxième, Donnarumma. Donnarumma, encore une fois. En termes de statistiques, c'est le meilleur gardien d'Europe. Donc voilà. Puis, on dit souvent, je me projette pas, attention. Hein, on dit souvent que pour gagner la Ligue des Champions, il faut un grand attaquant et un grand gardien. Aujourd'hui, on a le grand attaquant qui est Kylian Mbappé, on a le grand gardien qui est Donnarumma. Oui. Et les deux sont en top. Donc voilà, on touche du bois, on croise les doigts, mais la suite nous le dira. Et le troisième joueur que je mettrai en top, je pourrais mettre Beraldo, je pourrais mettre d'autres joueurs, etc. Maintenant, il faut rester réaliste parce qu'on est quand même dans une analyse. Pour moi, c'est Lucas Hernandez, encore une fois. Lucas Hernandez qui est exceptionnel. Si Beraldo dégage autant de sérénité, c'est parce qu'il sait qu'à côté, dans tous les cas, il a un monstre. Donc moi, je mettrai Lucas Hernandez. Rico? Numéro 1, Mbappé, ça fera plaisir à Jean-Marc, mais oui, ce soir le match est grand, mais au-delà de sa finition et de ses buts, c'est son attitude qui est différente de d'habitude, beaucoup plus d'appels, beaucoup plus de dangers, beaucoup plus de convictions, beaucoup plus de tout. Donc forcément que après les stats suivent quand tu mets l'attitude et que tu mets l'investissement et que tu es un joueur comme ça, on n'est pas étonné, c'est ce qu'il peut faire et c'est ce qu'on veut plus souvent. Deuxième top, je vais mettre Vitinha. Pour moi, Vitinha fait un top match et si on ressort aussi facilement le ballon, si on a pu avoir des phases de jeu comme ça, si on ne voit pas de bourde ou de ballon perdu bêtement dans nos 20 mètres comme on sait faire très souvent, c'est parce que tu as un Vitinha qui est tout le temps là, qui demande tout le temps, qui est très propre techniquement, qui ne perd pas un ballon. Et en plus de ça, je trouve qu'il en a récupéré aussi beaucoup, qu'il a intercepté beaucoup de ballons, qu'il a vraiment été au top franchement pour tous ceux qui ont un agenda dessus. Je trouve que vraiment Vitinha, en 6 surtout, il est vraiment très bon. Et le dernier, c'est Beraldo. Voilà, le dernier, c'est Beraldo, que j'ai toujours défendu. Et j'espère que tous ceux qui avaient un agenda dessus
et qui ont fait des tweets, Beraldo, ça va être vendu 5 millions Hoffenheim à la fin de l'année, et qui n'ont pas honte de juger des footballeurs comme ça, alors que le mec, il arrive du Brésil, qu'il a 20 ans, qu'il n'a jamais joué en Europe ou dans un grand club, qui vient d'enchaîner une saison entière et qui enchaîne une demi-saison, qui arrive dans un grand club, qui n'a pas de repère, rien du tout, dans une équipe en reconstruction, et qui est jugé parce qu'il prend le bouillon alors qu'il est défenseur central et qu'il joue à gauche, ces gens-là n'ont vraiment aucune honte. Bah aujourd'hui, j'espère que ces gens-là vont s'excuser parce que ce joueur a du talent, ce joueur n'a pas tremblé et ce joueur, quand il est en défense centrale, il répond présent et il a toutes les qualités et même ses défauts sont compensés grâce à ses énormes qualités. Après, les mecs, au moment où ils disent qu'il n'était pas bon... Mais il est latéral gauche, il a 20 ans. Comment tu peux le détruire à ce niveau? Non, mais c'est pas question des gens qui le détruisent. Ils l'ont détruit. Les mecs qui ont dit qu'il était nul à chier ou pas bon... ou très mauvais sur le match aller face à la Real Sociedad. C'est vrai ? Oui, mais ils t'ont dit quoi ? Beraldo, ils n'ont pas dit « Oh, le pauvre Beraldo, pourquoi on l'a mis à gauche ? Oh, le pauvre Beraldo, machin. » Ils t'ont dit quoi ? Beraldo, faut le vendre. Encore ouais, Luis Campos qui nous a gâché 40 ouais. millions d'euros. MDR, le mercato à 40 millions. Tu vois, c'est toujours excessif. Tu peux dire « Ok, il est mauvais, alors attendons de voir ce qu'il va donner, etc. » Mais là, il est mauvais, c'est pas de souci. C'est vrai que Beraldo, il a beaucoup mangé. Ah oui. Parce que les gens, même pas forcément le mercato de Campos. Après, voilà, quand tu dis qu'il est pas bon sur un match, etc. Alors, comme tout à l'heure, on parlait de Kylian Mbappé sur Monaco. Dire qu'il est pas bon, ça va pas remettre en cause Kylian Mbappé, tu vois. Mm-hmm. C'est la même chose, quand tu fais une analyse sur un match, ouais. c'est cette analyse sur le match. Parce que les flops, on va y revenir, il y a un nom qui va revenir. C'est sur ce match-là dont on parle. Bien sûr, bien sûr. Et c'est comme ça. Mais c'est vrai que Beraldo l'a beaucoup mangé pour un joueur qui, au final, personne ne connaissait. Très peu de gens regardent le championnat. Moi, je connaissais. On change la roue. Je commence avec toi, Recoba, pour les flops. Petite contrainte pour les flops, uniquement des joueurs du Paris Saint-Germain. Bah, évidemment. Oula. Oui, de toute façon, c'était prévu, mais ça va être difficile d'en trouver trois. J'ai déjà Fabian Ruiz en un, forcément. Parce que, en fait, au-delà de sa lenteur naturelle et du match un peu insipide qu'il a fait, surtout ce qui a été différent, je trouve, de d'habitude, c'est que là, il a vraiment perdu beaucoup de ballons dangereux, beaucoup de relances dans l'axe, passes dangereuses dans l'axe. Alors que, bon, le reste, on est habitué avec Ruiz, mais là, c'était dangereux, ça aurait pu nous être préjudiciable. C'est surtout ça qui me dérange. Le deuxième, c'est Dembélé, parce que malheureusement, individuellement, bon, bah, il a pas été trop dedans. Et le troisième. C'est difficile d'en sortir un. Je veux dire, peut-être Barcola, parce qu'il se fait sortir à la mi-temps, mais en vrai, son match n'est pas dégueu. Donc, difficile, je trouve, dans... Ah si, Hakimi. Oh, je suis en haut. Hakimi, mais je pense que je vais vous laisser parler dessus. Mais oui, Hakimi, j'ai failli l'oublier. Barry. En numéro 1, le top flop, ça reste Fabien Ruiz. Je vais pas étayer sur tout ce qu'il a dit. De toute façon, je pense qu'on va tous le mettre en flop. Trop de pertes de balles. Voilà, t'es au Paris Saint-Germain, il faut se réveiller. Le second, j'ai une hésitation entre Dembélé et Barcola. J'ai du mal quand même à le mettre en flop. Mais je peux entendre qu'on le mette parce qu'au final, il a pas fait un match excellent. Et puis même ses deux derniers matchs n'ont pas été. Après, il a changé de côté aussi entre temps. Non, je mettrai peut-être plus Dembélé parce que c'est pas son accoutumé, tu vois, de faire un match comme ça. C'est vrai que dans l'axe, ses pertes de balles sont plus visibles. Étant donné que sur le côté, bon, en général, on arrive à les compenser. Ce qui est normal, c'est son jeu. Mais c'est vrai que dans l'axe, c'est très dangereux les pertes de balles. Sachant qu'il jouait très bas aussi sur le terrain. Parce qu'on faisait des relances, comme l'a dit Jean-Marc, assez propres. Donc, il était plutôt bas sur le terrain. Donc, ses relances étaient directement dangereuses. Voilà. Dembélé, à rigueur, son jeu, je peux l'entendre. Fabien Ruiz, qui, lui, de base, a l'habitude de jouer aussi bas. J'arrive pas à comprendre. Donc, je mettrai en 2 Dembélé. Et en 3, je mettrai Hakimi que je trouve depuis le retour de la Coupe du Monde. Depuis le retour de la demi-finale, non je rigole. Depuis le retour de la CAN, je le trouve pas forcément à son aise. Je pense qu'il doit digérer aussi le fait qu'il était favori de cette CAN et qu'il n'a pas réussi à faire ce qu'il avait prévu de faire avec son effectif, etc. Il faut qu'il digère ça aussi. Mais au-delà de ça, au-delà de ce match-là, par rapport à cet aspect-là, moi, il y a un aspect du jeu qui me dérange chez Hakimi. On en a parlé beaucoup durant ce match-là. Je ne comprends pas sa volonté de toujours vouloir aller chercher Kylian Mbappé. Faut savoir respecter le jeu. Lorsque Kylian est démarqué, tu peux lui faire la passe, fais-lui. Mais lorsque Kylian est marqué par deux joueurs, pourquoi faire une transversale alors que le mec est bloqué de son côté? T'as un appel juste à côté de toi, Barcola, passe-la, Barcola dans la profondeur. T'as au bout d'un moment Warren Zaïre-Emery qui fait un appel à côté de toi. Passe-la, Warren. Fais progresser le ballon. Je peux comprendre que Kylian aussi l'élément clé de cet effectif-là. Et c'est pas le seul, hein. C'est pas le seul. Parce qu'on parle beaucoup de Hakimi. Il y en a beaucoup qui font la corrélation. Je trouve un peu débile de dire « Ah, mais c'est son ami, c'est pour ça. » Non, les gars, c'est un peu normal aussi. Quand tu as un tel élément dans ton effectif, tu as envie de le mettre dans les meilleures conditions. Et forcément, quand tu passes le ballon à Kylian Mbappé, tu as plus de chances que Kylian marque que si tu passais le ballon à
Barcola, bon, il est assez bon, mais bon, un Barcola ou autre, tu vois, ce qui est normal. Mais lorsqu'il est marqué, ça n'a aucun sens. Exactement. Donc voilà, j'attends plus de Hakimi sur cette deuxième partie de saison. Juste merci Tonton et Raoul pour la rectification. Quand tu parles un peu trop fort, ça grésille et ça sature un petit peu au niveau de ton micro. Jean-Marc, qui sont tes flops sur ce match? Ah ben, ça va être dur de passer après eux, parce qu'ils ont raison, quoi. Oui, Ruiz en numéro 1. Dembélé en numéro 2, puis je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre en numéro 3, mais même si Hakimi était vraiment pas bon. Il n'y en a pas troisième. Hein. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Il n'y en a pas d'autre par ces trois-là, en fait. Bah, Kangin ballant trop aussi, d'ailleurs. Non, je vais en profiter, je vais tricher un peu. Je vais dire, c'est pas gentil pour lui, même si je l'aime pas beaucoup. Le troisième, je vais mettre Luis Enrique. Non, parce que... ouais, non, attendez, laissez-moi expliquer. On gagne les deux matchs. Non, laissez-moi expliquer. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il a... Je trouve que le fait qu'il soit adepte du turnover, je trouve ça bien. Par contre, le fait qu'il ne fasse pas jouer les joueurs à leur meilleur poste, je ne comprendrai jamais. Ouais, mais Donc je ne comprends pas pourquoi il met Dembélé là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il met Barcola à droite. Je ne comprends pas. Même ça, je ne suis pas d'accord. Et je te suis, hein, parce que c'est vrai que des fois, ça a été très dérangeant. Mais à part ça, oui, t'as raison, mais il est qualifié, on va pas... Si tu mets Kylian à gauche, et Kylian qui fait son match grandiose aujourd'hui, Barcola, tu le mets où? Non, mais je suis pas coach, moi. Ah, non, mais ce que je veux dire, c'est là que c'est facile. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis le début, vous l'avez dit vous-même sur le plateau, pourquoi t'as changé Mbappé? Pourquoi tu l'as mis dans l'axe? Je croyais que c'est parce que il défendait pas. Toute la communauté des moutons supporters, entre guillemets, du PSG, vous racontez ça. Ouais, il défend pas comme si la grande qualité d'un mec qui marque 60 buts par saison, c'est de défendre. Cristiano Ronaldo défendait, c'était un grand défenseur, tout le monde le sait. Messi défendait comme un mort de faim. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Donc pourquoi il ne le mettait pas à gauche? Et à partir de ce moment-là, si tu ne mets pas ton meilleur joueur à son meilleur poste, tu fais des chaises musicales tout le temps, et là, il a continué à le faire. Donc voilà, c'est une réserve. Je suis pas sûr que dans les tours suivants, contre des équipes un peu plus fortes, s'il continue à jouer à ça, avec un Dembélé numéro 10, je suis pas sûr contre l'Inter, contre le Bayern, contre City, je suis pas sûr que fasse pas punir par ça, quoi. Juste, Gâteau, on va devoir avancer parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Quels sont tes flops sur ce match? J'ai Fabien Ruiz. Dembélé, oui, mais en fin de compte, c'est grâce à ce flop qu'il y a eu un super top. Bah c'est ça, en fait. Donc c'est ça qui fait l'équilibre. Et donc du coup, je peux pas être d'accord avec Jean-Marc pour Luis Enrique, parce que en fin de compte, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont été inhibées ou bridé, ça a permis à Mbappé de briller. Tandis que Mbappé, quand il va dans l'axe, il est un peu plus bridé, mais ça permet à d'autres joueurs de jouer aussi. Donc c'est un équilibre, on peut pas mettre tout le monde à tous les postes souvent. Donc Dembélé, c'est vrai qu'individuellement, on peut lui reprocher. Après, Hakimi, franchement, il faut qu'il revienne. Hakimi, il faut qu'il revienne. La relation Dembélé-Hakimi... Qu'on avait en première partie de saison. Qu'on avait en première partie de saison. Super. Depuis qu'il est revenu, même si Dembélé n'est pas là, on a l'impression que son activité, voilà, il faut qu'il revienne. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est fini. Il y a une déception, c'est vrai que c'est pas évident. Il faut revenir. On l'a pris. C'est un grand joueur. Enfin, je le considère comme un grand joueur. Il faut qu'il revienne parce qu'on a besoin de lui au plus haut niveau. Excuse-moi, mais tu apportes involontairement de l'eau à mon moulin. Parce que l'autre grand machin que tout le monde répétait à juste titre, c'est l'extraordinaire couple... Hakimi, Dembélé. Oui. Ah, tu mets Dembélé dans l'axe, tu mets Barcola devant Hakimi, ils n'ont aucun automatisme. Oui, mais qu'est-ce qui... Tu te prives. Oui, mais quand tu mets Dembélé, ce qui fonctionne, c'est que Dembélé colle la ligne. Donc quand tu mets un Barcola, c'est pareil. Lui, il colle la ligne. Donc normalement, la relation Barcola-Hakimi devait fonctionner. Excuse-moi. Mais qui fait un mauvais match? C'est Hakimi, et techniquement. Donc non, on ne peut pas reprocher à Barcola. Mais pourquoi tu mets pas Dembélé à droite, Mbappé à gauche? À la ligne, Barcola en disais, dans le danger. Très justement. Tu as un œuf de métier. Non, mais le danger de Dembélé en faux neuf, ou limite dans un 4-4-2 logeant, on peut dire ça comme on veut. Oui, c'était plutôt ça, t'as raison. C'est que dès qu'il a une fraction de seconde, il apporte tout de suite du danger. Et surtout, ce qu'on ne dit pas aussi. Et donc, du coup, ça, l'attention des milieux de terrain, des défenseurs, de tout ce que tu veux, elle est prise tout de suite par Dembélé. Ce qui libère un peu Mbappé. Parce que Mbappé, à la base, normalement, un mec comme ça, t'arrives. Marquage à double marquage culotte, deux joueurs sur lui, il commence à vous passer, on met un taquet, c'est fini. Sauf que là, t'as Dembélé qui attire l'attention,
Mbappé, il est pris dans, il est dans son domaine d'excellence, c'est-à-dire aller arriver avec de la vitesse, provoquer, rentrer et frappe intérieure. C'était ça lui a permis de faire ça. Mais après, rapidement. Par contre, c'est vrai que ce que dit Jean-Marc, c'est une question à se poser. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certains joueurs, forcément, quand t'es moins bon qu'un autre, on essaie de te mettre dans les meilleures conditions. Pour moi, le Kylian Mbappé dans l'axe, il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer. Bon, ça va être un peu long pour l'expliquer, il ne reste pas beaucoup de temps, donc j'irai pas là-dessus, peut-être sur un prochain live, etc. Mm. Mais par exemple, aujourd'hui, ce qu'ils disent, pour moi, c'est pas bête. On l'a vu au premier match. Au premier match, on a eu un creux à un moment au milieu de terrain. Ce qu'il fait, il met son joueur qui a le plus de technique au milieu de terrain et qui, techniquement, a les meilleures passes. À part Kylian Mbappé, c'est Dembélé. Donc malheureusement, c'est Dembélé qui va être un peu bridé pour pouvoir faire briller les autres. Là où ça n'a pas été forcément concluant, c'est sur le côté droit. Barcola et Hakimi, c'est vrai que Hakimi ne fait pas un grand match et Barcola n'a pas été à son aise, même si Barcola fait un meilleur match qu'Hakimi. Par contre, d'un autre côté, tu as le côté gauche avec un Kylian Mbappé qui a été exceptionnel. T'as d'autres joueurs en milieu de terrain. Vitinha, t'as Beraldo, tous ces choix en sont payants. Vitinha, il joue à son poste. Mbappé, il joue à son poste. J'entends ce que tu veux dire. Les gars dont vous soulignez la force, ils jouent à leur poste. Si, Vitinha, il peut jouer à son poste. C'est vrai que moi, personnellement, c'est vrai que... Bon, aujourd'hui, on a plus vu un 4-4 de losange, donc c'est vrai qu'à cette pointe du milieu de terrain, le plus logique, ça serait de mettre Dembélé. Maintenant, si on serait sur un 4-3-3 et que tu m'avais dit Dembélé, ton faux numéro 9, j'aurais absolument pas compris parce que pour le coup, Barcola est un 9 de formation qui est devenu ailier. Là, je me serais dit, mais et en plus, t'as des 9 aussi Ramos, sur le banc. Et je t'aurais dit, mais pourquoi t'as Ramos et en plus, t'as Colomani, pourquoi tu vas chercher un Barcola? Il est temps déjà de faire un petit jingle pour vous inciter à liker car on est plus de 600 dans ce live et on se retrouve juste après. Pour terminer cette belle émission en beauté, il est temps de faire le petit quiz de cette fin d'émission. Exactement, encore. Hein. Cette fois-ci, les règles sont celles-ci. Kylian Mbappé. On jingle. On jingle. Je vous donne la parole. Et après, vous essayez de donner la réponse ou non. Cette fois-ci, ça va concerner les finales de la Ligue des Champions. Les finales de la Ligue des Champions. Première question. En quelle année l'Ajax d'Amsterdam remporte... 95. Moins 1. J'ai pas dit, j'ai pas fini ma question. Il a pas fini la question. Ils ont gagné. Mais il a pas fini la question. Comment tu veux répondre à un truc qui est pas encore fait? L'Ajax remporte. Oui, mais j'ai pas fini ma question. Voilà, moins un, bien joué. En quelle année l'Ajax d'Amsterdam remporte sa troisième Ligue des Champions? 96. 77. Non. 74. Non. Comment ça, non? Non. Ah non, 73. Non. 73, putain de sa race. 79. Non. 73. 73. Un point. J'ai marqué un point. Pour Jean-Marc, qui mène la danse pour le moment. Mais quand vous parlez d'une vraie époque de foot, pas de... Sans qu'il y a... Quel est le score d'AC Milan Benfica Lisbonne lors de la finale de la Ligue des Champions 1990? Ouais, 2-0. 2-0, il me semble. 2-1. Non. 3-0. Non. 1-0. 1-0. Ah ouais, mais frère, il les a tous fait. Normalement, une fois que t'en as fait une, tu dois laisser les autres buzzer. Ouais, c'est pas ce qu'il a dit. Ok, d'accord, vous voulez jouer à ce jeu-là, on va jouer à ce jeu-là. On va faire ça maintenant. On va voir. Quel est le stade de la première finale de la Ligue des Champions? Santiago Bernabéu. Non. Stade de Reims, de l'Aune. Non, il vous reste vous deux. Oula. Je suis en ouf, moi. Quel est le stade de la première finale de la Ligue des Champions en 1956 entre le Real Madrid et le stade de Reims? Ils n'ont pas. Vous l'avez pas, Recoba? Jean-Marc, vous l'avez pas? Non. JCP Meazza San Siro. Non. Putain. Barry, tu l'as? Non. Le stade de Berlin, non? Non. Non, je sais pas. Tu l'as, Gâteau? Le Camp Nou. Camp Nou? Non. Vous l'avez pas? Non. C'est le magnifique Parc des Princes. J'ai hésité, mais je me suis dit non. Et c'est vraiment, ils ont pas été foutus. En plus, j'ai hésité à taper dessus. Enfin, qui n'était pas le Parc des Princes qu'on connaît. Quelle année Benfica remporte sa première Ligue des Champions? Je sais plus, pardon. 69? J'ai buzzé, moi. 1960. Non. Oh, il fait chier. C'est avec Eusebio, c'est quoi? 62. Non. 61. 1961. Hey, c'est moi qui mène, les gars. Ah ouais, mais là, on a... Mais je crois que tu voulais pas jouer. 60, 70, putain. Il reste une seule question. Allez.
qui vaut 2 points et je vais essayer de trouver la bonne. Lors de la finale 2007 entre l'AC Milan et Liverpool, quelle est l'affluence du stade? C'est quoi, Milan chez Liverpool? Allez, vas-y, on va dire 70 000. Non. 65 000. Il vous reste vous deux. 58 000. Non. Donc 80 000. Non. Barry. 61 000. Non. 47 000. Non. Mais après, tu fais juste prix. 55 000. C'est plus. 66. Faut baiser. 66 000. Non. Non. C'est plus, c'est moins. 69. C'est moins. 68. 68. C'est moins. 67. Non. 67 500. Non. 65. Non, mais c'est bon. 64. Pose une autre question, on a tous raté. C'est fini en plus. 63 000. En plus, je l'ai dit, 63 000. Là, c'est de la rague. Là, c'est de la carotte. Vas-y, là. Vas-y. Je l'ai dit, c'est de la carotte. Non, plus, les gars. Il dit c'est plus quand c'est 67 000. Mais les gars. Dernière question. Quel est le stade de la finale de la Ligue des Champions 1989 entre l'AC Milan et le Steaua Bucarest? Le Vélodrome. C'est le gars qui dérape. Le Parc des Princes? Non. San Siro? Non. Ricoba? Jean-Marc? C'est quoi ce quiz bidon? Dele Alpi? Non. Bernabeu? Pas le Bernabeu. Stade du Napoli? Non, c'est pas celui-là. Aïe, aïe, aïe. C'est dans quel pays au moins? C'est en Espagne. C'est moi qui ai buzzé, les gars. Vas-y. J'en ai aucune idée, j'irai Bernabeu. Vicente Calderon? Mais c'est-à-dire? C'était moi qui avais. Non. Vicente Calderon? Non. Valence? Bernabeu? Non. Valence? Non. Sanchez Pizjuan? Non. Mais on l'a dit tout à l'heure. Personne n'a dit Camp Nou. Personne n'a dit Camp Nou. Est-ce qu'il y a une dernière question? Stalia, le Giuseppe, il y a deux. T'avais égalisé avec Jean-Marc. C'est possible. Non. Si. J'avais déjà un, il avait deux. Plus deux plus un, trois. Le niveau, il est d'une faiblesse, le niveau là. C'est. Les gars, on s'appelle Paris Central, on nous fait des questions sur Camp Nou. Bizarre, hein. Tonton, lui, il a trouvé. Ouais. Tonton, lui, il a internet, tricheur. Triche. En tout cas, une dernière question, c'est fini. C'est terminé. Kylian Mbappé. Stéphane Monaco. Le PSG est qualifié en quart de finale de Champions League. Qui compte qui vous voulez qu'on tombe. Et moralité, on comprend pas. Sur qui on veut tomber. On comprend pas toujours ce que fait Luis Enrique, mais à la fin, il gagne et il est qualifié. Exactement. Les gars, vous voulez sur qui? Le Bayern s'est qualifié aujourd'hui après avoir battu la Rome. On va faire un tour de table très rapidement. Qui voulez-vous pour affronter le Paris Saint-Germain? On bosse tous en même temps. Le FC Barcelone. On tire sans l'ambulance le FC Barcelone. Oui, je suis d'accord. Le PSG Eindhoven. Très bien. Ah ça non, sera, moi je veux Barcelone. Ça sera les mots de la fin. Ou Madrid. Le chat, dites-nous les équipes. Dites-nous les équipes que vous voulez tomber. Le chat, en attendant que nous clôturons cette belle émission. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Vous avez été nombreux. On a eu un pic à 600. Il y a quelqu'un qui a dit Sociedad encore, pourquoi pas. Ou le Real Madrid pour un autre auditeur. On se retrouve très prochainement en plateau et très bientôt aussi en distanciel pour d'autres émissions sur Paris Central. D'ici là, ici c'est Paris. Portez-vous bien.